Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geek World. Je suis Scar et aujourd'hui je reprends The Wolf Among Us. J'avais tourné le troisième épisode le jour d'Halloween. Je m'étais dit c'était parfait, c'était l'occasion parfaite, le vendredi allait venir 2 jours plus tard, donc j'avais vraiment le temps pour pouvoir tout faire comme il fallait. Et OBS m'a planté mon record comme un vieil enculé. Du coup, je me suis retrouvé le mercredi soir avec rien du tout. J'ai retenté plusieurs fois de tourner le jeudi, ça n'a pas fonctionné. Du coup, vous avez eu des vidéos Dead by Daylight pour remplacer. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai réparé OBS, j'ai réparé Adobe Premiere. C'est bon, tout fonctionne pour une putain de première fois. Et donc, je vais pouvoir reprendre ce que j'ai fait. Donc, du coup, vous n'aurez pas des réactions vraiment live parce que j'ai déjà vu ce qui s'est passé, mais je vais essayer de pas trop vous gâcher la surprise pour que vous ayez vos réactions live à la vidéo qui va suivre. Donc on va reprendre tout de suite. Non, voilà, je suis obligé de revenir en arrière, ce qui est extrêmement chiant, et donc je suis obligé de refaire une nouvelle sauvegarde. Vive la vie! Donc nous revoilà au Trip Trap Bar. Dans le Bronx. Et s'il y a des gens dans les commentaires qui connaissent un peu New York, je veux bien savoir où se situe le Bronx et tout ça, parce que je n'en ai aucune idée. J'ai jamais été à New York de ma vie. J'ai déjà été aux États-Unis, mais jamais à New York. Salut la compagnie. What do you want, sheriff? Woodsman? Ouais. I'm looking for the woodsman. Well, he's not here. So I guess you can go now. I'm not even gonna ask where he is now, okay? I just want to know the last time he was here. That's all. Who? I'm being nice. Je viens de te le dire, hein. He hasn't been here for a few weeks. No, maybe. I don't know. But yeah, he hasn't been here in a while, if he's been here at all, which I don't know. On va rester gentil. I'd just like some help, and I'll be out of here. Well, I'd be willing to help you out of here. Would that help? Ok. Vous avez décidé d'être des cons. Alors, on va commenter par ceci. La machine à cigarettes. Gimme. Damn. Ah, shit. Let me solve the mystery for you. They're pickled eggs. Oh, I know what they are. I'm just trying to figure out why anyone would eat this. Je l'ai ou jamais bouffé ce truc. Ah, il est pas là, hein. Il a jamais été là. Ouais. C'est qui sur la photo? Qui est sur la photo? He a regular? I don't know who you're talking about. The one with the bald head and the beard. Never seen him. Mon cul, t'es sur la photo, t'es à gauche de la photo en plus. A lot of these walk out the door. Yeah, it's called advertising. You get a refund? Fuck you. The word's getting out. You'll never guess where I found the other one of these. No, I won't. His place. Eh ben oui. Whose is that? Someone who left. Why didn't you dump it? If you want a cleaner place, feel free to get the fuck out of here. I'm sensing a very hostile tone from you. Don't deny it. I'm good at picking up on this stuff. Alors lui, c'est Gren. Gren et Holly. Donc là, on a Gren, on a Holly et on a
WD, oh bah tiens. You guys playing right now? Nah. A lot of stools in this place. Mais il y en a juste un à côté de toi, mon amour. But there's only one right next to you. You're gonna order something, or you're just here to bother my customers? You know what I mean. Give me a Midas gold. You want a lime? No. No. Well, I don't got any anyway. Think that's funny? Yep, think it's fucking hilarious. It was all right. C'était à peu près nul en fait, mais bon. Come on, guys. I don't want to be here. You don't want me here. The sooner you answer my questions, the sooner I'll be out of here. Ouh. C'est vrai que moi j'aurais quand même vérifié les chiottes, hein. Mais bon. You're out of paper towels and Hello. Je t'ai gardé ta bière. Saved your beer for you. Holly wanted to clear it, but I said no. You'll be back. Now here you are. Fuck you. You and me been going at it for hundreds of years. I'm through fighting. Ouais, ça fait deux. Well, Woody, that makes two of us. You're in luck. I decided to switch seats. Just want to talk. This doesn't have to go like this. Hmm. Maybe he don't want to talk to you. Why don't we let him tell me that? Okay, Grant. Allez, dégage. Ce mec-là, je vais le frapper. Je jure que je vais le frapper. It's funny. Just a minute ago, no one seemed to know who you were. Yeah, well, everyone knows you. Big bad wolf. Now I'm the bad guy and you're a sheriff. What kind of fucking world is that, huh? Not exactly comfortable with it either, but... Hey, you play the hand you're dealt. Well, some folks are forced to play with shit. That's a lovely image. Guess you want to know about the girl. Amongst other things, sure. I'd walked past her place for weeks. Mm-hmm. She didn't look like it. She had money. I was sure of it. She wouldn't put up any kind of fight. I was gonna rob her. And the night I finally get up the nerve to do it, there you are, fucking things up for me. You were just in the wrong place at the wrong time. What are you talking about exactly? Red Riding Hood, her grandmother. I was there to rob him. But when I showed up, you were already there, lying in the bed. I only saved her because I thought she might give me a reward. But she didn't give me shit. Except a bunch of people thinking I'm something I ain't. I played along as I could. Only thing I managed to get from it was a free drink every now and again. Lot of good that did. Did you kill Faith? What? Faith? Who's that? The girl you were beating on this morning. No. I was here.
I swear. It doesn't look good when a girl you were just smacking around shows up dead hours later. Ouais, il est temps de corser un petit peu les choses. Dead? Bigby, listen, I'm a piece of shit, okay? I know that. I hit that girl, I did. I shouldn't have, but I didn't kill her. You believe me, right? They're gonna string me up, Bigby. Moi, je le crois. It looks fucking bad. It looks really bad, but I didn't do it. He was here. That's the fucking truth, Sheriff. You see? Bigby, please. You can't. They'll throw me down the witching well. That's what they'll do. And I didn't do it. You know that. Hey, stop! This isn't what I want. Oh, shut the fuck up, Woody! Shit ain't just about you. It's about this fucking lab dog. And they come sniffing around this part of town when the rich fucks in the woodlands need a shakedown. Ain't that right, Bigby? Wow. Lab dog? Really? Ça part en insulte, là. Shit about her. Paperwork. Waiting rooms and that bitch Snow White looking right past me, then ushering me out the fucking door. I wouldn't call her that. It's happened before. Non, tu insultes pas Snow White devant moi. Well, ça c'est clairement non. I didn't realize you were the bitch of the bitch. Ouh. Oh, tu m'as donné une excuse. Oh, tu m'as donné une excuse. Seem to be enough. Don't be so sure. Ah. Ouh, il est moche. Il est très moche. Should have walked out of here when you had the chance. Come on, you're scaring the lady. Don't worry about me. Oh, mais c'est de la triche, ça. Aïe. Désolé pour ton bar. Wow. Hop là. Dans ta face. Ok. Hop là. Ouh, ça doit faire mal ça. Les porte-manteaux, c'est une arme létale, les enfants. Ne jouez pas avec. Aïe. 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 J'espère que ça va aller le coup quand même, parce que niveau réparation, vous allez avoir un sacré boulot. Hein. Qui a peur du grand méchant loup? C'est tout le monde, c'est tout le monde. On n'insulte pas Blanche-Neige devant moi. Tu t'es cru où là? Tu t'es cru où là? Allez, débranchis. Et... Oh bah t'as pas besoin de ça. On joue au billard? Allez, on joue au billard. Alors, on insulte Snow White devant moi. Mais bon, j'ai décidé d'être gentil. T'as de la chance. Whisky. Je te conseille d'obéir. Je te conseille d'obéir. Voilà.
Ça va mieux. Nah. Send the bills to Crane. Submit a damage report with my office. Fabletown will pay for this. Charge the drink on there, too. And the glass. Don't even think about it. Ouais, là, je suis assez énervé, là. Treatment I can expect if I let you take me in? Nope. No. If you come quietly, you'll be treated with respect. But if it turns out that you killed that girl, well, you know what that means. All right. I got $100 for the first bloke that can tell me something about a girl named... Le moment du choix. Mais je vais choisir comme la dernière fois, c'est-à-dire que j'avais choisi Tweedledee pour la bonne et simple raison que je ne pense pas que c'est le Woodsman. Par contre, Tweedledee, il a forcément quelque chose à voir avec ça. Ta gueule! Your brother won't be saving you this time. Come on, you're under arrest. I told you I didn't do it. And you got nothing to worry about. Il est quand même énorme ce truc. Il est massif. Do anything stupid and I'll throw you down the witching well myself. Oh. C'est la police normale ça. Deuxième meurtre. Plus que probable. Hein. Et c'est Blanche-Neige. Et c'est la fin du chapitre aussi. Oh les connards qui font un cliffhanger pareil. Where's your brother? Fuck you. Give me one good reason I should tell you anything. Where's the rest of her? Serial killer. Oh, oh my. A serial killer? Oh God, it's one of us. Wait, the woodsman's still walking the streets. We've got to put a lid on this. If you can't manage it, I'll find someone who can. I found out where she's been staying. Sauf que ça peut pas être. Ça peut pas être ce Woodsman. Intéressant, intéressant. Alors oui, c'est la question des choix.
84,5% des joueurs ont donné de l'argent à Faith. 59% des joueurs ont décidé de mentir à la bête. Seulement 30% des joueurs ont décidé d'aller voir Prince Florence avant des détaudes. Je suis surpris. Hein? Et on a réussi à empêcher la mort de Prince Florence, d'accord. Donc oui, moi je pense que si tu vas voir Toad d'abord, Prince Florence il meurt. Hein. Ouais. Blablabla. 22% des joueurs pensent que c'est le Mac. Quasiment personne suspecte le Prince Florence. Par contre, il y en a beaucoup qui suspectent le Woodsman. Le Woodsman, c'est pas possible que ce soit lui. Hein. 68,7% des joueurs ont arrêté Tweedledee, d'accord. Ouais, mais c'est pas possible que ce soit le Woodsman, parce que... Déjà, de 1, j'y crois pas une seule seconde. Il nous aurait attaqué, nous, pas la fille en premier, si il voulait s'attaquer à quelqu'un. Et le Woodsman, ça se voit que c'est juste quelqu'un qui est malheureux, qui se bourre la gueule, qui n'est pas quelqu'un de dangereux foncièrement, quoi. Et les Tweedles, par contre, il y a quelque chose derrière, parce qu'ils travaillent pour quelqu'un qu'ils ne veulent pas nommer. Et ça, déjà, ça me chiffonne. En plus, il y a l'histoire avec le Mac, de Faith, à qui elle devait de l'argent. Ah, je reste convaincu que c'est pas le Woodsman, hein, personnellement. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Donc, Blanche-Neige est morte. Ce qui innocente tout de suite le Woodsman, puisqu'il était avec nous quand ça a dû se passer. Et ce qui innocente aussi Tweedledee, puisqu'il était avec nous quand ça s'est passé. Par contre, ça innocente pas Tweedledum. Ouais. Bon, pour l'instant, encore beaucoup trop de questions auxquelles on peut pas répondre, mais on verra ça dans le prochain épisode de The Wolf Among Us. Du coup, je vous dis à très très vite, à très très bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Allez vous inscrire, allez vous abonner à notre Facebook, à notre Twitter, à notre YouTube, et on a également un Discord qui est de plus en plus actif, où vous pouvez venir nous voir. Bientôt, on aura un Patreon qui sera également actif. Donc, les choses commencent à bouger petit à petit pour la chaîne. Du coup, je vous dis à très très vite, à très 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 bientôt. Portez-vous bien et ciao !